Bonsoir à tous et bonsoir Président. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un très grand plaisir pour nous de vous recevoir ici. Alors, cher Président, plusieurs personnes nous ont demandé mais pourquoi inviter un président de club de foot à HEC ? Alors d'abord, on a envie de se marrer, on vous le cache pas. Je ne dis pas que François Fillon, qu'on a reçu il y a 3 semaines, n'était pas drôle. Un peu sous-marre, comme on dit ici. Mais bon. Ensuite, Monsieur Aulas, parce que vous avez toute votre place sur ce campus, car vous êtes sans doute un des plus grands financiers de cette planète. Mesdames, Messieurs, dans le public, je vais vous soumettre un petit problème, plus facile que nos cours de Corporate Finance. Prenons un investisseur lambda, qu'on va appeler, pour les besoins de la cause et au hasard, Jean-Michel. En 2003, Jean-Michel achète un actif dénommé Michael Essien, 9 millions d'euros à Bastia, et il le revend, 2 ans plus tard, à Chelsea, 38 millions d'euros. Bonne affaire. Jean-Michel achète un autre actif, Mamadou Diarra, 4 millions d'euros à un club dont moi-même je ne me souviens plus, et le revend au Real Madrid, 23 millions d'euros. Alors j'ai essayé de calculer la rentabilité sur tout ça. Ça nous fait du 320% de retour sur investissement pour Michael Essien, du 500% pour Diarra, du très lourd. Alors, bon, comme tout investisseur, Monsieur Aulas, vous avez aussi fait des erreurs. Kader Keïta, 18 millions d'euros. Même ma grand-mère, elle avait mal senti celui-ci. Monsieur Aulas, nous avons pour coutume d'écrire en sous-titre sur l'affiche de présentation de la conférence la profession de l'invité. Mais il est assez difficile de vous résumer en un seul mot, tant vous semblez avoir eu 1000 vies. Vous avez été tour à tour étudiant en informatique, joueur de handball, syndicaliste étudiant en mai 68, entrepreneur à 18 ans lorsque vous avez créé la Cegid. Après 15 ans de réflexion, vous avez ajouté un dé pour créer la Cegid. Leader français de l'édition de logiciels de gestion qui fait 265 millions d'euros de chiffre d'affaires et dont précisément vous vous êtes retiré du capital hier, c'est tout frais. Alors on va évidemment revenir sur cette actualité, mais la presse parle d'ores et déjà d'une très belle opération financière pour vous. Et puis bien entendu, en 1987, vous êtes devenu ce pourquoi on vous connaît aujourd'hui, président de l'Olympique Lyonnais. Mais vous avez, Monsieur Aulas, une dernière profession, un peu plus méconnue encore que, Twittos. Vous êtes devenu une véritable légende sur Twitter, et votre aura vient sans doute du fait que lorsqu'un supporter stéphanois vous agresse sur Twitter en faisant 7 fautes d'orthographe en 140 caractères, vous vous sentez obligé de lui répondre pour le renvoyer à sa condition de supporter d'un club qui n'a rien su gagner sur les 35 dernières années. Monsieur Aulas, vous êtes un addict de Twitter et cela surprend. Un journaliste de Libération qui vous veut sans doute du bien a écrit, je cite, qu'un type portant des projets pesant des centaines de millions d'euros passe une après-midi entière à exhumer le tweet vieux de 6 mois d'un supporter pour le confronter à sa médiocrité est un mystère aussi obscur que les racines du monothéisme. Mais j'ai retrouvé, cher Président, un tweet de 2013 où vous définissez votre mission ici-bas sur la twittosphère. Vous écrivez, je cite, « Quand on veut être exemplaire, il faut prendre un peu de temps pour vulgariser la gestion et le management du foot à des abrutis. » Alors, j'espère que ce n'est pas ce que vous êtes venu faire ce soir. Je le disais, vous êtes donc difficile à définir, mais une chose est sûre, vous êtes en campagne permanente, Monsieur Aulas, vous vous battez contre la terre entière, contre les présidents de club, la LFP, les arbitres, vous affrontez les journalistes, et dans le monde du foot français, ce sophisme vous correspond plutôt bien, on est avec vous ou on est contre vous. Mais quoi qu'il en soit, votre palmarès parle de lui-même, avec 7 championnats de France, 2 coupes de France, 1 coupe de la Ligue, 8 fois en 8e de finale de Ligue des Champions d'affilée, avec de nombreux quarts, et cette fameuse demi-finale en 2010. Vous êtes devenu, Monsieur Aulas, l'empereur du foot français sur la scène européenne. Ainsi, si votre victoire contre Lens en 2002 est votre Austerlitz, le Lyon PSV Eindhoven de 2005 est indéniablement votre Trafalgar, le plus gros braquage de tous les temps. À la 100e minute, Nilmar est fauché dans la surface, l'arbitre ne bronche pas. Crucifié, j'en fais encore des cauchemars. Alors, Monsieur Aulas, je ne veux pas jouer les mauvais prophètes, mais je veux simplement vous faire remarquer que les histoires d'empereurs, en général, ça finit mal. Certains se sont exilés, d'autres ont été assassinés par leur fils. Il y en a même un qui a foutu le feu à sa ville. Et lorsqu'on pense aujourd'hui à l'avenir de l'Olympique lyonnais,
on est tiraillé entre deux sentiments. L'anxiété d'abord. L'anxiété, tant on peut légitimement se demander ce que deviendra l'OL lorsque vous passerez la main. L'anxiété également lorsqu'on se demande ce que peut faire Lyon face au club dopé à l'argent qatari. Lyon est actuellement à la peine face au PSG. Peut-être que cet été, l'OM va être racheté également. Que peut faire un club comme l'Olympique Lyonnais face à de tels monstres financiers? Peut-être que nous l'expliquerez-vous. Mais on partage également une certaine sérénité avec vous. La sérénité lorsque l'on voit l'Olympique Lyonnais devenir un club solide, sur un modèle viable économiquement, avec son grand stade, son centre de formation, son football féminin rayonnant. Et puis surtout, la sérénité, la joie, la plénitude, le bonheur, tout ce que vous voudrez depuis une semaine, depuis que Nabil Fekir est revenu. Quoi qu'il en soit, Président, je vous remercie encore d'être venu ce soir. Je laisse la parole à Mathieu et Skander qui vont animer cette conférence. Merci à tous, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci Pierre. Donc vous avez un droit de réponse si vous voulez après cette présentation de Pierre. Je vous ai vu un peu tiquer sur certaines choses. Non, j'ai jamais passé une après-midi à tweeter. Je ne le fais que le soir entre, on va dire, minuit et 3h du matin. Voilà. Et donc ça ne gêne pas du tout l'activité. Et puis ça m'arrive d'avoir aussi un petit peu de temps libre. Peut-être que je prendrai une photo de vous tous là si vous êtes sympa, puis on la tweetera tout à l'heure. Donc vous avez annoncé hier que vous cédiez vos parts dans la Cegid, l'entreprise que vous avez créée en 1983. Donc on reviendra sur cette actualité plus tard dans la conférence, mais d'abord parlons bien, parlons football. Donc quelle est votre réaction après Lyon-Nice de ce week-end? Lyon s'en sort bien, mais on voit que la lutte contre Monaco va être difficile jusqu'à la fin de l'année. Oui, elle a toujours été de toute façon difficile, terminée sur le podium et possiblement à la deuxième place, ça demande beaucoup d'efforts, surtout quand on part après tout le monde. On a fait une première partie de championnat qui était très, très difficile. Ceci étant, il reste 4 matchs. On sait que si on les gagne les 4, on sera deuxième. Donc c'est déjà un premier point. C'est ce que j'explique à mes joueurs, à Bruno Genesio, qui a repris le management de cette équipe de janvier de cette année. Voilà, donc Nice, ça a été difficile parce qu'on a pris un but sur une erreur et puis après on a eu un expulsé. Donc on a joué à 10 contre 11, on est emmené 1-0 contre une très bonne équipe. Et puis on a fait une deuxième mi-temps absolument extraordinaire en dominant de la tête et les épaules cette équipe de Nice qui pourtant est juste derrière nous. Et donc voilà, on a, je pense, fait ce qui permet d'avoir la certitude si on gagne les 4 derniers matchs d'être deuxième. Donc maintenant il faut gagner les 4 derniers matchs et il faut commencer par gagner celui de Toulouse samedi. Ce sera très très dur, d'une part parce qu'ils sont en difficulté et qu'ils jouent bien maintenant, donc ils ont de bonnes raisons, deuxièmement parce que Toulouse est dirigé par un de mes très bons copains, donc si on gagne on pourra se qualifier, mais ça les enverra en deuxième division. Donc effectivement c'est un dilemme, mais ceci étant, les joueurs eux vont pas rentrer dans ce dilemme-là, et on va tout faire pour effectivement finir deuxième, parce qu'on a un outil tellement fantastique. On a construit ce parc olympique lyonnais pour concurrencer les plus grands clubs européens demain, et donc c'est pas un péché d'orgueil, c'est la volonté de se mettre dans un nouveau business model. Alors les gens souvent sont étonnés que je sois d'abord chef d'entreprise dans le numérique et dans d'autres activités, puis après dans le foot, mais en fait c'est exactement la même chose, et c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est que le monde est en train de changer à une vitesse incroyable. La disruption, l'ubérisation font que même le football est touché, et grâce à Dieu il va permettre à des clubs comme les nôtres qui investissent non pas sur les joueurs tout de suite mais sur les infrastructures de rattraper complètement le business model traditionnel de ceux qui ont eu la chance de naître au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis ou en Russie, c'est-à-dire d'avoir des moyens de financement qui sont totalement différents des moyens de financement des clubs traditionnels. Et donc cette disruption dans le business model fait que celui qui anticipe et rentre dans un nouveau business model qui est régulé par le Financial Fair Play, je suis président de
européen du Financial Fair Play depuis 5 ans, non pas pour faire des allers-retours dans toutes les capitales d'Europe et de discuter avec mes collègues européens, mais parce que ça sert les desseins des clubs comme les nôtres, parce que d'un côté régulation, de l'autre côté secteur d'activité en pleine croissance. Il n'y a aucun secteur, autre secteur d'activité comme le football qui a des taux de croissance aussi importants. Les droits télé augmentent de 10% quasiment tous les ans. Et donc, d'un côté, il faut réguler, de l'autre côté, il faut capter la croissance. Et après, troisièmement, il faut trouver le business model qui va générer la récurrence. Et quand je parle de disruption, ça veut dire que là où avant, on avait des revenus qui étaient cycliques et qui faisaient en sorte qu'à l'instant T, c'était la meilleure équipe, quel que soit le prix d'acquisition, qui gagnait, demain ne sera plus le même cas. Ce sera celle qui génère ses propres joueurs, celle qui permet d'accueillir 60 000 personnes dans de bonnes conditions dans un stade, celle qui permet de monétiser toutes les applications numériques dans un stade, et donc celui qui sera plus intelligent que les autres. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire quand même que quand on est avec un peu de réflexion, on peut envisager, ce qui n'est pas pour le moment complètement admis, eh bien de pouvoir venir concurrencer le Paris Saint-Germain en France, Manchester City en Angleterre ou d'autres clubs qui ont des moyens disproportionnés par rapport à ceux que nous avons à l'instant T. Alors j'ai été un peu long, mais ça permettait déjà de se situer la globalité. Tout à fait. Alors justement, en parlant des autres clubs, on voit aujourd'hui que la plupart des clubs français s'intéressent principalement à la Ligue 1, en négligeant en quelque sorte les autres coupes européennes. En Europa League, par exemple, ça fait plus de 10 ans qu'aucun club français n'a atteint le dernier carré. Donc, est-ce que pour vous, les clubs français manquent d'ambition aujourd'hui ? Non, ça n'a rien à voir. J'étais à midi à Amsterdam pour une réunion du club des clubs européens, des grands clubs. Et les grands clubs européens, sauf les Anglais, qui étaient là aussi, étaient en train de se rendre compte qu'en Angleterre, les clubs anglais s'intéressaient de moins en moins, y compris à la Champions League, parce que la Première Ligue a su créer une dynamique un peu à la NBA ou à des ligues fermées qui font que l'attractivité et le financement de cette Première Ligue créent une concurrence, y compris à la Champions League. Donc si on fait le parallèle par rapport à la question que vous m'avez posée, ça veut dire que, en fait, c'est pas que les Français ne s'intéressent pas à l'Europa League, c'est que les conditions d'exécution de l'Europa League en France posent problème, dans les autres pays aussi, pour être compétitif dans le championnat. Et quand vous jouez en Europa League le jeudi soir, c'est très compliqué d'être performant le samedi ou le dimanche. Et donc les entraîneurs ont souvent fait un arbitrage en faveur de la performance dans le championnat. Et pour être performant le samedi ou le dimanche, quelquefois, on n'aligne peut-être pas la meilleure équipe le jeudi soir. Donc c'est uniquement pour ça. Pour ceci étant, l'Olympique Lyonnais a toujours essayé de jouer le jeu. Je pense que cette année, on sera européen pour la 20e année consécutive. Et là aussi, la régularité fait que, à un moment ou à un autre, vous rattrapez votre passé et vous devancez les autres. Et donc, il faut que les clubs français s'intéressent, y compris à l'Europa League. Mais il faut probablement que l'organisation du football français en tienne compte. Moi, j'ai proposé, par exemple, que pour les clubs qui jouent le jeudi en Europa League, il puisse y avoir une journée de championnat lundi soir. Parce que ça permet d'avoir 3 jours de récupération. Et si on n'a pas ces 3 jours de récupération, on n'est pas compétitif le samedi et le dimanche. Vous avez parlé de votre projet pour le business model de Lyon, c'est-à-dire le stade et le projet plus généralement de décorréler en quelque sorte les revenus du sportif. Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez quand même lutter contre ces clubs dopés à l'argent étranger? Est-ce que, voilà, est-ce que face à des sommes, enfin des budgets sans limite, Lyon, avec son business model viable en quelque sorte, peut-il faire concurrence? Oui. Alors ceci étant, ça demande un peu de temps parce que il faut, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, d'une part changer de modèle, et deux, c'est un peu comme dans l'informatique et dans le numérique, il ne faut pas se tromper de business model. C'est-à-dire que demain, on sait que tout va changer, et donc il faut être performant là où il faudra être performant. Donc premièrement, ces clubs qui vivent de l'argent du Qatar, de la Russie ou d'autres,
ils sont dans certains championnats déjà concurrencés par des clubs qui ont mis au point des business models complètement indépendants de ces faux fonds propres. Pas très propre, mais font quand même, des financements en amont, par de la récurrence. Vous avez par exemple en Angleterre, si vous regardez, vous avez d'un côté Chelsea, avec des fonds russes, beaucoup de, au départ, près de 600 millions investis par Abramovich. Ça a permis d'ailleurs de vendre, comme l'a dit Pierre, Essien, 42 millions à l'époque. Mais donc il faut savoir aller chercher l'argent où il est, et quelquefois, même si... il n'est pas très propre, il sert à financer ceux qui sont propres. Donc c'est un modèle qui peut être vertueux quand même. Donc premièrement, il y a des Chelsea, il y a des Manchester City, c'est Abu Dhabi, et puis il y a Manchester United. Manchester United est un club qui est coté, qui va faire 550 millions de chiffre d'affaires cette année, un peu plus de 100 millions d'EBITDA sur 550 millions de chiffre d'affaires. Et qui ne bénéficie pas de l'argent du Qatar, du machin, du truc. Il a développé un business model avec des récurrences dans un stade qui lui appartient, avec une valeur de marque qui représente chaque année entre 150 et 170 millions d'euros par an, où ils vendent la marque Manchester U en Asie, aux États-Unis, un peu partout. Donc déjà... la réponse est que on peut imaginer qu'à terme, il n'y aura pas que les solutions qui consistent à mettre de l'argent plus que les autres pour être plus performant. Deux, je l'ai dit, le financial fair play a été mis en place pour lutter contre cet excès. Et la règle du financial fair play, c'est de dire on ne dépense pas plus sur le long terme que ce que l'on gagne. C'est-à-dire qu'on exclut de la règle d'équité les fonds qui peuvent, au départ, alimenter la pompe. Alors, vous le savez, par exemple, pour ceux qui sont supporters du Paris Saint-Germain, et c'est bien, parce qu'on est à Paris, donc c'est normal. Au départ, le Qatar a mis beaucoup d'argent. Avec Qatar Authority, etc. Et qui sont, chaque année, renouvelés par un contrat de pays, à hauteur de plus de 200 millions d'euros chaque année, ce qui fausse, comme cela a été indiqué, la règle de concurrence, eh bien ça, à moyen terme, ça n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il faudra que le Paris Saint-Germain trouve ses propres ressources dans son business model pour pouvoir continuer de jouer des coupes européennes. Et la règle, elle est partout pareille. Pour Manchester City, c'est la même chose aussi. Donc ce qui veut dire qu'à 5 ans, et c'est pour ça que je me suis beaucoup investi de mon temps dans la mise en place du financial fair play, on va vers une règle d'équité qui va permettre de faire en sorte que seul le revenu gagne. Donc à partir du moment où c'est le revenu qui dicte la capacité du club à pouvoir jouer en Coupe d'Europe, ça veut dire qu'il faut trouver des revenus et non pas aller chercher les fonds du pétrole ou les fonds de l'énergie d'un certain nombre de pays. Il faut trouver... la capacité de générer des revenus, et c'est pour ça qu'on a construit le stade et qu'on l'a connecté. C'est le premier stade connecté au monde avec des revenus monétisés complètement du numérique. Alors justement, pour parler de ce nouveau stade, donc pour rappeler un peu au public, c'est un stade qui est en projet depuis 2007, qui a été inauguré cette année, début 2016, et qui a nécessité donc 4 ans de travaux, près de 500 millions d'euros. 11 ans de travaux. 11 ans de travaux, désolé. 2 ans de travaux. Près de 500 millions d'euros investis, 60 000 places, et donc c'est aujourd'hui l'Olympique Lyonnais qui est propriétaire de ce stade. Et donc justement, on aurait voulu savoir quels sont les changements concrets que va apporter le stade aujourd'hui pour l'Olympique Lyonnais. On le voit très bien sur le plan financier, mais quels sont les changements concrets pour les supporters, pour l'équipe, pour les joueurs? Quels sont les changements que va apporter ce stade? Bon, en fait déjà, c'est plus qu'un stade, c'est un parc. Son nom d'ailleurs est le Parc Olympique Lyonnais sur 50 hectares. Il y a donc un stade qui existe et on est en train de finaliser les permis de construire pour en fait un parc de loisirs, donc un centre dans lequel il existera une dizaine d'activités comme un parc d'attractions permettant d'une part aux consommateurs individuels, la personne physique, mais aussi aux entreprises de pouvoir participer. Une maison médicale avec une clinique du sport, des bureaux
puisque c'est un business center qui permet de fonctionner en permanence, et puis un certain nombre d'activités périphériques. Donc sur 50 hectares, on a un centre qui fonctionne tous les jours, 365 jours par an, et donc on voit bien que le modèle n'est plus de rentabiliser l'outil par un événement, mais de le rentabiliser par une vie permanente et des flux financiers qui sont permanents. Deuxièmement, le stade n'est pas un stade de foot, c'est un stade multisport. On va accueillir dans trois week-ends les deux finales de coupe de rugby européenne. C'est la première fois qu'un candidat français gagne l'organisation des deux coupes européennes de rugby. J'espère qu'il y aura un club français. Je crois que c'est le Racing qui reste le seul candidat possible puisqu'il a battu Toulon il y a 8 jours. Mais donc, rugby. On aura l'Euro 2016. Donc là, on transforme la solution. C'est-à-dire que c'est nous qui louons à l'UEFA, et ça vaut très cher, un stade de 60 000 personnes pour une compétition européenne. On a gagné l'appel d'offres pour la Coupe du Monde féminine de 2019. On a gagné plein d'appels d'offres pour organiser toutes les manifestations sportives, y compris un match de hockey sur glace de la Coupe Magnus. Il y aura une patinoire au milieu et 40 000 personnes le 29 janvier 2016 pour ceux qui veulent venir. Et puis, il est événementiel. Donc on a déjà fait venir pour l'inauguration Will.i.am, qui a fait un carton comme l'Olympique Lyonnais juste avant contre 3. Et en un quart d'heure, on a montré qu'on pouvait transformer un stade de foot avec une pelouse qui est parmi les plus belles de France en une salle événementielle. Les 60 000 personnes sont restées. On accueille Rihanna dans 2 mois. Donc dans sa tournée européenne. Et puis, donc, c'est non seulement un stade, mais c'est devenu, en fait, un centre événementiel dont l'objectif est de faire en sorte qu'il tourne en permanence. Puis, on en a fait le premier business center de France. Comment ? On s'est dit, en fait, qu'une loge, pour ceux qui vont quelquefois voir les matchs dans des loges, moi, ça me paraissait... étant entrepreneur, un peu incroyable qu'on loue une loge très chère uniquement pour aller voir un match pendant 1h30. Donc j'ai transformé l'idée et j'ai dit on va faire des bureaux qui le soir des événements, match de l'OL, match de l'Euro, Rihanna, etc., se transforment en loge. Et donc on a développé le concept, on l'a d'abord déposé, de loge 365. Et donc les entreprises n'achètent pas une loge pour le match de l'Olympique Lyonnais, ils achètent une loge qui est un bureau dans lequel ils peuvent faire toutes leurs réunions de direction, d'animation des vendeurs, de réception d'un certain nombre de clients, et qui donc est ouverte tous les jours avec un certain nombre de services associés dans le business center, et qui le soir d'événements, eh bien, permet d'accueillir les clients. Donc on a fait en sorte de transformer un centre de frais, d'un coût d'investissement, parce que c'est vrai que donc le coût c'est 450 millions plus une cinquantaine de millions pour le camp d'entraînement et les centres, les académies qui sont autour, d'en faire une infrastructure avec une rentabilité sur 30 ans, mais qui va complètement changer le type de revenus. Et on a dit tout à l'heure que pour un club, il fallait avoir des revenus, de manière à faire en sorte que ces revenus eh bien, viennent alimenter les ressources du club en permanence. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la totalité des questions. Donc le club a investi avec ses deux actionnaires principaux, c'est-à-dire moi-même et Jérôme Sédou, qui est du groupe Pathé. Donc on est deux actionnaires principaux. On a investi un peu plus de 200 millions à nous deux de fonds propres dans une opération. Alors je sais qu'un certain nombre de clubs disent « Ouais, mais non, mais nous, on ne met pas d'argent ». Oui. Si on veut être entrepreneur, développer un business model, il faut non seulement croire au business model, mais il faut savoir s'investir. Tout à l'heure, vous avez parlé de Cegid qui avait été vendu pendant le week-end. Bon, je ne sais pas si vous avez vu l'information, mais la base de transaction, c'est 560 millions. Donc c'est aussi une belle valorisation. Ça veut dire que quand on crée une histoire, une entreprise, une histoire d'entreprise, ben, il faut non seulement penser à se faire plaisir pour développer un certain nombre d'activités, mais il faut penser à la sortie. Il faut penser que
dans un modèle économique, il faut toujours qu'il y ait une capacité, bien sûr, à gagner des matchs, et c'est l'objet premier de ce qu'on en fait, mais aussi il faut penser à faire en sorte qu'à la sortie, économiquement, on soit dans un modèle qui est durable. Alors pour monétiser l'ensemble quand même, parce que c'est important, donc on a fait, on ne voulait pas faire d'une part un parc et un stade qui soit comme tout le monde, on a fait un stade qui est le plus connecté du monde. Donc pendant 4 ans, on a demandé à McKinsey, bon, un certain nombre d'entre vous, quand vous aurez fini, je vous souhaite d'aller chez McKinsey, parce que c'est vraiment une boîte, bon, je ne vais pas faire de publicité pour les autres, hein, mais bon, intéressante. J'ai d'ailleurs embauché la personne qui a fait le modèle chez McKinsey avec moi pendant 4 ans, qui dirige maintenant le développement de l'OL. Donc il est directeur général du développement. Et il est allé voir partout dans le monde ce qui se faisait sur le plan numérique, sur le plan stade, sur le plan parc d'attractions, pour savoir ce qu'il fallait. Deux, on a fait une analyse du parcours client, c'est-à-dire qu'est-ce que, quand vous allez au stade, soit à titre individuel, soit en tant qu'entreprise, en B2B, qu'est-ce que vous souhaitiez, ce dont vous aviez besoin. Et donc on a écrit là aussi une histoire, avec un cahier des charges, on a fait notre propre cahier des charges, pour savoir tout ce que une entreprise, ou tout ce que un supporter au départ de foot, mais aussi quelqu'un qui va voir des concerts, souhaitait avoir. Voilà. Et je me suis associé donc à Cisco pour l'opération d'infrastructure télécom, puis à Microsoft pour la partie logicielle, et puis Cegid, puisque c'était ma boîte, pour développer un modèle qui est un modèle unique, qui permet, à partir de n'importe quel device, de tout faire à partir de son device. Tout faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, tout d'abord, on peut commander évidemment n'importe quelle place de tous les spectacles que j'ai décrits. Les places sont dématérialisées sur votre iPhone, donc ce qui veut dire que quand on arrive avec sa voiture, on présente son iPhone et on a la possibilité d'entrer, on peut rentrer dans le stade, pareil, etc. Et puis on s'est dit que, quitte à être identifié, puisqu'on est localisé, donc là on travaille avec Google Maps, on fait en sorte qu'on puisse guider la personne qui vient au stade dans tous ses déplacements. On lui optimise son choix de déplacement. C'est-à-dire que non seulement on lui délivre sa place de tram s'il vient en tram, mais on lui explique là où il va arriver dans le stade, puisque à l'intérieur du stade, on a construit une gare de tram. Bon, et les soirs de match, comme le match de Nice dont on parlait tout à l'heure, il y a 30 000 personnes qui arrivent par le tram, avec des tickets dématérialisés, pour faire en sorte de rentrer avec un temps minimum d'accès dans le stade. Et puis une fois qu'on est dans le stade, on peut tout faire avec le device. On peut commander son Coca-Cola, on peut commander son McDo, on peut choisir d'aller le chercher là où il est fabriqué, mais on peut aussi choisir de se le faire livrer à un endroit qui est le plus proche de sa place, pour ne pas perdre de temps à la mi-temps. Donc ce qui veut dire qu'on augmente de manière incroyable 700% la productivité du nombre de sandwichs ou de McDo que l'on vend. Puis on peut acheter tout ce qui est vendable dans les boutiques, on peut l'acheter directement aussi. Et puis comme on s'est préoccupé du business to business, on s'est dit les 110 ou 120 entreprises qui ont pris des loges qui sont des bureaux, qu'est-ce qu'elles souhaitent faire à l'intérieur? Moi je me suis dit, elles souhaitent faire comme ce qu'on fait quand on regarde l'application Canal Apps, mais en live. Et donc on a développé avec Microsoft une application qui permet d'aller capter en fait toutes les actions en différé, bien qu'on soit en live. Et comme on a la maîtrise des 19 caméras qui sont dans le stade, puisqu'on a construit le stade, on l'a fait nous-mêmes, on choisit la caméra qui va vous donner l'angle de vue qui vous intéresse. Et donc ça devient un jeu extrêmement intéressant. On a accès aussi à tous les réseaux sociaux. Alors ça, vous savez pourquoi je l'ai fait. C'est pour me permettre évidemment d'être directement en live avec Twitter. Voilà, donc quelques types d'applications de tout ce qu'on a développé qui se monétisent et qui fait que là aussi, à terme, c'est un parcours client qui permet d'avoir plus de simplicité pour l'utilisateur, mais c'est aussi des revenus récurrents pour l'Olympique Lyonnais demain. Dernière question sur l'Olympique Lyonnais. Donc on voit que vous avez le projet de faire vraiment de l'OL une entreprise d'événementiel et une marque.
pourquoi ne pas avoir cherché, pourquoi ne pas chercher à intégrer d'autres types de sports? Pourquoi pas le hand, le basket à Lyon qui sont développés, le rugby. On voit qu'en Espagne, par exemple avec le Barça ou Madrid, on a vraiment une marque qui regroupe tous les clubs de sport. Pourquoi ne pas chercher à faire dans cette direction? Parce que pour le moment, mon objectif est de faire en sorte d'être le meilleur club français de foot. On l'a été, on s'est fait dépasser par Paris et bon, avec, je dirais, des moyens différents. Mais on souhaite assez rapidement revenir numéro un et on souhaite à nouveau revenir parmi les 8 meilleurs clubs européens, non pas par orgueil, mais parce que les revenus de droits télé et de marketing, ils sont en Europe. Aujourd'hui, quand vous participez à la Champions League, comme on l'a fait cette année, en n'étant pas bon, parce qu'on n'a pas été bon, on a été très mauvais même, on a fait 40 millions de revenus, indépendamment du stade, etc. Et donc, si on veut aller chercher des revenus en Coupe d'Europe, en Europe, ben, il faut se qualifier, avoir une équipe. Donc, voilà. Et comme on n'avait pas les moyens au départ de mettre 400 millions dans les joueurs, 500 millions, ce qu'a fait le Paris Saint-Germain, on a créé la meilleure académie de France. Donc on est numéro un, on est même numéro un en Europe avec le Barça, de manière à fabriquer, à élaborer de plus en plus de très bons joueurs. D'une part parce que ça permet de les faire jouer. Et deuxièmement, accessoirement, si à un moment donné il y a besoin de faire rentrer un certain nombre de revenus par session, ben ça rentre aussi dans la capacité à céder un certain nombre de joueurs. D'accord, on va passer maintenant à une facette plus médiatique avec Lucas qui va nous faire sa chronique. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Aulas. Parler de votre relation avec les médias est un vaste programme. En effet, faire de l'Olympique lyonnais le plus grand club français depuis le début des années 2000 est loin d'être votre seul fait d'armes. Vous êtes omniprésent sur la scène médiatique depuis des années sans que personne ne s'en lasse. Au contraire, que serait la Ligue 1 sans vous, sans vos attaques, vos critiques et autres clashs? Mais revenons au début des années 90. Bernard Tapie est alors la bête médiatique du football français. Personne ne peut imaginer qu'un président de club puisse le supplanter aux yeux des médias. C'est bien mal vous connaître. Au fur et à mesure de la progression de l'Olympique lyonnais, vous devenez la principale attraction de la Ligue 1. Vous êtes un véritable paratonnerre pour votre club, dont la mauvaise foi et la victimisation sont parmi les meilleures armes. Un seul exemple. Vous osez qualifier l'exploit de Monaco en 2004 de victoire du football de la défiscalisation. Bref. Je ne pense pas prendre trop de risques en disant que notre génération a appris à vous admirer, mais aussi à vous détester, via le prisme des médias durant ces années de gloire pour l'OL. Puis est arrivé le déclin de Lyon. Une équipe l'a remplacé au sommet de la Ligue 1, le PSG de l'ère Qatari. Alors, on aurait pu s'attendre à ce que vous vous effaciez, ne serait-ce que légèrement, devant les nouvelles stars parisiennes et leur président Al Relaifi. Loin de vous cette idée. Vous êtes plus présent que jamais, et ce grâce à la découverte que vous avez faite en 2011, Twitter. Avant Twitter, d'aucuns vous appelaient le Sarkozy du football. Avec Twitter, vous réalisez l'exploit d'être un mélange de Sarkozy et d'Hollande. Toujours omniprésent, vous êtes ceci devenu un président normal. Vous adorez en effet répondre à n'importe quel quidam qui vous attaque sur Twitter. Et, permettez-moi de vous le dire, vos réponses ne sont pas toujours à la hauteur du personnage. Je cite « Retourne chez ta maman ». Ou va au lycée l'heure, semble en effet plus sortir de la bouche d'un enfant de 12 ans que du grand président de club que vous êtes. Mais cette chronique n'a pas pour but de critiquer votre stratégie de communication. Je voudrais même vous remercier d'avoir traité Vincent Labrune de guignol. Cependant, cependant, et je finirai par ce point, une des cibles permanentes de vos critiques m'interpelle, l'arbitrage. En effet, vous ne perdez pas une occasion de critiquer violemment les arbitres français dans les médias. La défaite de votre équipe, notamment contre le PSG, c'est assez étonnant, s'explique régulièrement par l'arbitrage. En 2011, selon vous, l'arbitre n'a pas réussi à gérer la pression du parc. En 2015, l'arbitre vous prend pour un idiot. Vous allez même plus loin. Le titre de 2009 a été perdu au bout de 38 journées à cause d'une erreur de M. Bray. Tandis qu'en 2010, l'arbitrage vous aurait coûté 25 millions d'euros. C'est assez cher payer l'erreur d'arbitrage tout de même. Toutes ces critiques m'ont fait penser à mon entraîneur lorsque j'avais 15 ans, Boussade. En effet, Boussade nous interdisait formellement de se plaindre de l'arbitrage. Peu importe ce qu'il se passait sur le terrain, il savait combien le métier d'arbitre était difficile. Alors parfois, je me demande ce que Boussade répliquerait en vous entendant. Et à mon avis,
voilà ce que serait sa réponse. Monsieur Aulas, à n'en pas douter, vous êtes le plus grand président de club de l'histoire du football français. Dans votre relation à l'arbitrage, montrez-vous en digne. Merci. Vous avez un droit de réponse, bien sûr. Je réponds ? Ah, il faut, oui. Non, mais bon, je pense que... Mais c'est normal, vous êtes jeune, donc... Mais je n'embauche que des jeunes à Cégide. Hein. Voilà. Parce que ça permet de faire en sorte d'avoir une vision, on va dire, plus native des choses. Non, en fait, Twitter, bon, je ne l'ai pas découvert en 2011 déjà. J'ai décidé de l'utiliser parce que, en fait, c'est le seul moyen qui permet de reconquérir, en fait, la jeunesse. Parce qu'on sait que, en fait, les gens qu'on ne peut pas reconquérir, c'est pour ça que je pense que vous êtes peut-être un peu trompé, sont les gens qui ne savent pas utiliser Twitter. Parce que s'ils utilisaient Twitter, ils comprendraient que la dérision permet de faire en sorte, non pas d'aller dialoguer avec le quidam dont vous avez parlé, mais permet de faire en sorte qu'on parle d'une relation qui est une relation avec tout le monde. Et l'important sur Twitter, c'est pas le contenu, c'est le fait de pouvoir être identifié comme quelqu'un qui se met justement à la hauteur de tous les gens qui ont envie qu'on les reconnaisse. Et quand je reconnais, même en le traitant, puisqu'une fois j'avais non pas dit de retourner chez sa maman, mais de retourner jouer aux billes dans la cour d'école, c'est pour faire en sorte de faire comprendre que tout le monde peut avoir accès à un seul président aujourd'hui en France, et par Twitter, si on a la capacité à pouvoir exister. Donc, faut pas regarder le fond, il faut regarder, je dirais, la forme, c'est-à-dire la capacité à pouvoir entamer la discussion avec... Et pendant des années, je vais raconter une anecdote, ma plus grande crainte était le matin, en regardant sur mon iPad un certain nombre de journaux, de découvrir des choses que je n'avais pas dites et que les journalistes interprétaient ou développaient. Et avec Twitter, j'ai eu la capacité, d'un seul coup, à faire en sorte de ne pas attendre la bonne volonté du journaliste qui s'était trompé ou qui était de mauvaise foi, mais de pouvoir, immédiatement au moment où l'information paraissait, de pouvoir, sur un plus grand nombre de Twitter que de lecteurs de l'équipe, par exemple, donner une information qui est une information en direct. Donc, je pense qu'il faut regarder effectivement la forme, aussi valoriser tous les gens qui utilisent Twitter, et puis ne pas se focaliser sur éventuellement le contenu qui peut quelquefois déranger, mais qui fait tellement plaisir à celui qui est reconnu, alors qu'il n'aurait eu aucune chance d'être reconnu, que ça combat toutes les idées reçues, a priori. Pour l'arbitrage, je pense que c'est pas un manque d'expérience, c'est, je pense, un manque, je dirais, d'analyse. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que aujourd'hui, le foot, c'est de la compétence, c'est de la part des joueurs de la technicité et de l'intelligence, mais il y a aussi une grande part de chance, de réussite. Et la réussite, elle est quelquefois perturbée par des éléments qui sont directement en liaison avec la capacité de l'arbitrage à éventuellement interpréter dans un sens ou dans l'autre quelque chose qu'on nomme la chance, mais qui quelquefois est lié à la qualité de cet arbitrage. Donc c'est pas par défaut, je le fais parce que c'est important d'avoir, de la même manière qu'on analyse avant chaque match la performance intrinsèque d'un arbitre, on sait très bien quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, quels sont. Mais il faut pouvoir avoir la liberté de dire un certain nombre de choses qui sont factuelles. Quand je dis par exemple que l'année dernière, quand monsieur, non pas Bray, mais monsieur Turpin fait retirer le pénalty d'Ibrahimovic, bon, Lyon qui mène à ce moment-là peut avoir 5 points d'avance sur le Paris Saint-Germain à quelques matchs de la fin.
et faire tirer un pénalty qui a été arrêté par notre jeune gardien qui était magnifiquement... Et l'arbitre a raison de faire retirer. Si ce n'est qu'il n'y avait aucun cas auparavant où un arbitre avait appliqué cette règle-là. Et j'ai trouvé que c'était un peu dommage, non pas pour l'Olympique Lyonnais, mais pour le jeune gardien qui avait arrêté un tir d'Ibrahimovic. Ça ne lui arrivera plus jamais de sa vie. Hein. Donc il a tué une histoire qui était une histoire magnifique. Et c'est normal qu'on puisse à un moment donné dire aux gens qui sont là pour rendre l'équité qu'ils peuvent s'être trompés, ou tout au moins qu'ils n'ont pas fait preuve de psychologie, qui est la moindre des choses. Donc voilà, alors ceci étant, bon, c'est très bien de pouvoir parler des erreurs des uns et des autres. Je pense que ce qu'il faut, c'est surtout pouvoir en parler et pouvoir dire les choses. C'est pour ça que je me bats, pour que la transparence au niveau de l'arbitrage, au niveau des dirigeants, puisse être de mise. Moi, de la même manière que je me suis jamais plaint qu'on m'ait traité de vieux rabâcheur sur Twitter ou de sénile, je me donne le droit aussi, quand il y a un certain nombre de choses qui permettent d'être redites, de pouvoir l'exprimer avec réalité. Voilà. Une dernière question sur votre facette médiatique. On voit que voilà, vous êtes très présent sur les médias aussi bien classiques que sur les réseaux sociaux. Et pourtant, on remarque que vous ne parlez jamais de politique. Et c'est assez unique, par exemple, un président auquel on vous compare souvent, Mourad Boudjelal, au rugby, entrepreneur, grande gueule comme vous, et président d'un club qui a beaucoup innové. Lui, on entend énormément parler politique à la radio, à la télé, on l'a même vu débattre avec Marine Le Pen. Donc pourquoi vous ne parlez jamais politique alors que vous auriez pourtant des choses à dire en tant qu'entrepreneur, en tant que président de club? C'est une règle que vous fixez? En fait, j'essaye de ne pas mélanger les genres. Et si j'ai un certain nombre de rôles à jouer sur le plan politique, je le fais en participant à un certain nombre de mouvements qui sont des mouvements, je dirais, techniques. Comment faire en sorte de faciliter la création d'entreprises en France? Comment faire en sorte de permettre à des jeunes qui sortent des grandes écoles de pouvoir intégrer à un niveau immédiatement efficace un certain nombre d'entreprises. Donc les débats politiques, au sens où je l'entends, sont menés dans les amphithéâtres qu'ils méritent. Si c'est pour aller débattre sur Twitter d'un certain nombre de sujets qui sont des sujets éminemment importants, je ne pense pas que ça soit l'objet. Donc j'ai mes idées politiques, j'en parle avec ceux qui le méritent. Et voilà, mais je ne prends pas de position publique sur ces sujets-là qui sont beaucoup trop importants pour qu'ils puissent être débattus politiquement. Voilà. On va maintenant revenir sur la Cegid, donc une société que vous avez créée en 1983, qui faisait donc dans les logiciels de comptabilité, qui faisait et qui s'est tournée vers le cloud petit à petit, qui faisait 280 millions de chiffre d'affaires. Donc vous avez annoncé hier que vous retiriez, enfin que vous vendiez vos parts à deux fonds de private equity américains et anglais. Voilà, donc vous vendez vos 10% de la Cegid et vous en tirez 60 millions d'euros. Pourquoi ce deal aujourd'hui? Est-ce que c'était prévu et est-ce que ça veut dire quelque chose sur la suite de votre carrière? Bon, déjà, c'est un petit peu plus que les chiffres que ce que vous avez évoqué, mais mais ceci n'explique pas cela. Voilà, donc bon, pourquoi Cegid, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, est une entreprise que j'ai créée, non pas dans un garage, comme en 83, un monsieur qui a beaucoup mieux réussi que moi, mais dans une cave à Lyon. Et j'ai créé en fait cette entreprise pour essayer de démontrer, à l'époque le personal computer prenait une dimension qui n'existait pas avant, et donc on a développé sur des outils décentralisés, ce qui se faisait avant sur des grandes unités. Voilà. J'avais créé une première entreprise à 19 ans, en sortant de l'école et de la fac, que j'avais revendue 3 ans après à un grand groupe français, celui-là. Et donc, j'en étais pas à ma première expérience de création, de développement. Et là, Cegid, 2200 personnes, un petit peu moins de 300 millions de chiffre d'affaires, était devenue une entreprise extrêmement performante, puisqu'on, je le disais à votre secrétaire général, la personne qu'on a vue ensemble, c'est ça, tout à l'heure, faisait un peu plus de 70 millions
d'EBITDA par an pour 280 millions de chiffre d'affaires. Et nous avions un contexte qui était un contexte de développement mondial. Donc on a commencé à se développer sur le plan mondial. On est présent aujourd'hui dans 73 pays différents. On a un petit peu plus de 120 000 clients dans le monde. Mais l'étape d'après, elle méritait d'avoir des partenaires qui soient des partenaires vraiment internationaux. Donc on a eu la chance de rencontrer, il s'appelle Lucas aussi, hein, donc voilà, le président, de directeur général du premier fonds high-tech Silver Lake américain. Donc c'est un fonds qui brasse un petit peu plus de 100 milliards d'actifs dans la technologie et qui va nous permettre d'accélérer à nouveau le développement de Cegid. L'objectif est d'avoir une croissance à deux chiffres sur les trois prochaines années. J'ai donc vendu d'un côté, réinvesti à leur côté... Vous n'allez pas racheter l'OM ? Non. D'une part parce qu'on ne peut pas avoir deux clubs en même temps. Et deuxièmement parce que je pense qu'il y aura, enfin je leur souhaite, d'autres investisseurs potentiels. Et puis ça ne m'intéresse pas. Donc c'est une bonne raison. Donc voilà, donc le moment était venu de changer de braquet, de passer de 300 à 500, 600, 700 millions... de devenir leader mondial dans notre secteur. Bon, on est devenu l'un des grands spécialistes du cloud et donc du service de gestion en SaaS, Software as a Service. Et donc avec mes nouveaux partenaires, Silver Lake et Alta One, qui est un fonds là anglais, on pense pouvoir aller beaucoup plus vite que si on était resté seul en France. Et donc voilà, et j'aurai investi une partie de la session dans la nouvelle entreprise, la NewCo, qui va absorber Cegid, qui donc fait l'objet d'une OPA depuis ce matin. Ça va nous amener dans 3 mois, et dans 3 mois, on annoncera donc la création de cette nouvelle entreprise qui va se développer de manière importante. Donc si on résume bien, vous avez mené 2 aventures en parallèle en fait, l'OL et Cegid. Oui, d'autres, parce que j'ai un family office à côté, ouais. Avec mon fiston, voilà, qui a 31 ans et qui a fait des études de finance, comme celles que vous faites pour la plupart d'entre vous. Donc on investit dans des secteurs parallèles, complètement différents. Donc j'ai effectivement 3 vies. Ouais. Donc disons deux aventures entrepreneuriales en parallèle, l'OL et Cegid. À l'OL, vous avez repris l'OL en 1987, il était dans une situation financière assez critique et vous avez su redresser ce club. Mais vous avez fait encore plus, vous avez été proche des joueurs. Donc c'est pour ça que ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est est-ce que pour être un bon dirigeant dans le milieu du sport, il faut seulement être un bon manager ou est-ce qu'il y a aussi des qualités qui font que si on est passionné par le sport, si on est passionné par le foot, derrière on est aussi un bon président de club ? Non, je pense qu'il ne faut pas être trop passionné. Il faut l'être, mais après avoir, je pense, une responsabilité d'entrepreneur. Bon, le foot est devenu un business à gros levier et à fort investissement. Bon, je vous l'ai dit, on vient d'investir 450 millions d'euros dans le club pour en faire beaucoup plus par la suite. Mais ceci étant, on voit bien que les enjeux sont considérables. Et entre la création de Cegid il y a 30 ans et puis la reprise de l'OL en 87, il y a des modes opératoires qui sont assez similaires, mais il y a des enjeux qui sont beaucoup plus importants. Donc quelqu'un qui serait uniquement passionné serait probablement... défavorisé par rapport à la génération de gestionnaires qui aujourd'hui sont à la tête des grands clubs européens. On n'a que des entrepreneurs dans les grands clubs européens, pas encore totalement en France, encore que je parlais tout à l'heure de Toulouse où on a des entrepreneurs, Rennes on a des entrepreneurs, Bordeaux on a des entrepreneurs. Bon, après, souvent, c'est pas l'entrepreneur qui est le patron du club. La spécificité de l'OL, c'est que je suis et l'actionnaire, l'entrepreneur et le manager. Donc ça permet d'avoir... voilà. De la même manière qu'il faut avoir aussi, je pense, un peu des techniques de communication pour réussir en tant que patron de club.
c'est pas la communication qui fait qu'on va réussir uniquement. Je le disais à Vincent Labrune, je disais, si tu penses que c'est en ayant uniquement des techniques de communication que tu vas réussir à manager ton club, tu te trompes. Il faut en plus avoir de la communication. Donc tout ça pour dire qu'il faut d'abord être entrepreneur, puis avoir de la passion pour le foot. Il faut avoir de l'expérience aussi, parce que il y a plein de choses qui sont évolutives et qu'il faut sentir. Et en fait, pour répondre à votre question, il n'y a pas énormément de différence entre un modèle de développement d'un club de foot et un modèle d'une entreprise du numérique à partir du moment où on investit beaucoup. Dernière question avant de laisser la parole au public. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de questions. Donc on voit, on vous décrit souvent comme hyperactif. Vous avez mené plein de projets en même temps. Qu'est-ce qui est votre moteur là-dedans? Qu'est-ce qui vous pousse à faire tout ça, à vous investir autant dans ces différents projets? Qu'est-ce que vous recherchez? C'est une question qu'on me pose souvent, à laquelle j'ai un peu de difficulté à répondre. Disons que j'ai horreur de ne pas gagner, ça c'est certain. Donc que ça soit en tant que sportif à un moment donné ou en tant qu'entrepreneur, ça passe par les mêmes leviers. Donc je pense que j'ai aussi envie de servir à quelque chose et puis de laisser un message. Et quelquefois, le message, on peut le laisser par les réalisations que l'on peut faire dans le monde de l'entrepreneuriat. Et en fait, c'est ce que je me rends compte que j'ai effectué peut-être le mieux depuis ces dernières années. Est-ce que vous avez d'autres projets après la Cegid et l'OL, où ça va être vos deux bébés? En fait, parallèlement à ça, et de manière transversale, j'ai un projet qui a mûri avec l'expérience, qui est de pouvoir rendre à un certain nombre de gens, et en particulier les plus jeunes, un certain nombre de choses qui ont été acquises sur le terrain. Donc je m'investis beaucoup, j'étais là il y a quelques années dans un amphithéâtre de chez vous, pour la préparation au diplôme et à la spécialisation de création d'entreprise. Donc je participe à beaucoup de thématiques sur le plan de la fondation Cegid comme de la fondation OL. Et donc, on a envie, quand on arrive à un certain moment de son expérience, d'avoir envie de redonner aux autres, soit en participant à des opérations comme ce soir, soit en faisant, en étant très actif dans les fondations. Bon, et je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui suivent Twitter, j'avais fait une méprise à un moment donné en traitant d'autiste quelqu'un sur Twitter. Et en fait, c'était une erreur vraiment, je dirais, dans mon approche. Et donc, simplement pour vous expliquer quel est le personnage, je me suis mis une obligation de faire en sorte d'aider les thèses et la recherche et le développement et l'animation des autistes, en étant président d'honneur d'une des associations les plus importantes. Donc je participe beaucoup à la recherche de fonds, on participe aussi, et puis à la recherche, voilà. Donc même chose pour le cancer, avec le centre Léon Bérard, où on participe beaucoup au développement des machines qui font de la recherche génétique sur justement l'anticipation de la recherche sur les origines et la prévention du cancer, c'est-à-dire la détection a priori des zones ou des gens qui peuvent être touchés par cette maladie. En fait, plus on prend de l'âge et plus on a envie de servir à quelque chose plutôt de ce type-là. Voilà. C'est donc sur cette belle pensée que nous allons laisser la main au public. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On se donne une demi-heure parce que, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, j'ai un dîner avec des banquiers et ceux-là, je ne veux pas les louper parce qu'ils sont importants dans le modèle que je développe. Bonjour Monsieur Olas, j'aurais deux questions. La première, elle concernerait l'introduction en bourse de l'OL il y a à peu près 10 ans. Est-ce que vous considérez cela comme une réussite ou un échec aujourd'hui alors que le cours de bourse a plutôt chuté? Et la deuxième question, ce serait pour revenir sur votre première partie où vous traitez essentiellement du business model. Ça donne un peu l'impression qu'on prend en fait le spectateur non plus pour un supporter mais comme un consommateur, comme une vache à lait.
Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une bonne vision à long terme alors qu'on voit que Paris se coupe un peu de sa base populaire, qu'il y a des manifestations de supporters à Liverpool, à Manchester, contre le prix des places qui est trop élevé? Bon, c'est toujours difficile quand il y a deux questions parce que on se souvient plus de la première qui était... Sur le cours de bourse. Voilà. Alors, en fait, bon, quelquefois on a un tropisme qui n'est pas le bon. Sur l'analyse, donc, un, je regrette pas. Bon, je rappelle que l'introduction en bourse de l'OL s'est faite en 2007 et à l'époque on a levé 80 millions d'euros pour construire le stade. Depuis, le stade a été construit et on a fait en sorte de rajouter à cette mise de fonds de 80 millions un petit peu plus de 200 millions d'euros de manière à avoir au niveau des fonds propres des choses qui étaient cohérentes avec l'endettement. Bon. Aujourd'hui, la valorisation donc en bourse est de l'ordre de 300 millions d'euros, c'est-à-dire trois fois la mise à prix de la bourse. Alors, c'est vrai que individuellement, on a l'impression que l'action a baissé, elle a beaucoup baissé, mais il y a eu une génération de nombre d'actions qui a été multipliée par 10. Donc voilà, donc il faut savoir compter et pas lire trop Twitter. Où c'est vrai que des fois on me reproche, mais ce sont pas des analystes financiers. Hein, donc voilà. Donc mon rôle est de redresser les choses qui sont mal perçues. Et donc on parle pas du même nombre d'actions, on parle pas. Voilà. Grosso modo aujourd'hui, la valorisation est une bonne valorisation. Et je pense que le meilleur est à venir parce que le business model, et j'en viens à la deuxième question qui a été construit, est un bon business model. Donc il ne s'agit pas de prendre d'abord les consommateurs ou le consommateur pour une vache à lait. Bon, malheureusement en France, la vache elle est un peu maigre en ce moment. Et donc de toute façon, même si on avait l'intention de la traire tous les jours, je pense qu'elle ne pourrait pas l'accepter et elle ne pourrait surtout pas résister à un traitement de ce type-là. Non, on a développé un business model qui est différent des autres dans la mesure où avant... qu'on développe ce type d'orientation, 90 ou 95% du chiffre d'affaires était fait avec les supporters individuels. Le business model qui a été développé, et vous l'avez compris quand j'ai parlé du plus grand business center de France et bientôt d'Europe, c'est parce qu'on fait dériver vers le B2B progressivement le business model et c'est le B2B qui paye complètement l'évolution des fonctionnalités qui sont offertes au B2C, c'est-à-dire au supporter individuel. Et donc, non seulement le supporter individuel n'est pas très de manière plus importante qu'avant, mais il bénéficie du business model. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le supporter individuel de l'Olympique Lyonnais qui vient, il paye sa place moins cher qu'il la payait dans l'ancien stade, où il n'y avait pas de toilettes, où il n'y avait pas de device, où il n'y avait pas d'hygiène, où il n'y avait pas de beauté, où il n'y avait pas d'esthétique. Voilà. Et donc, en fait, c'est simplement une évolution du business model. Ce qui est cher est en fait pris en compte par les entreprises et le supporter individuel, et c'est important que le supporter individuel persiste parce qu'il y a la passion, il y a l'animation. Et vous avez vu d'ailleurs sur le dernier match de vendredi dernier contre Nice, bon, ils avaient trouvé... à la mode sud-américaine, l'idée de jeter des papiers sur le terrain. Bon, j'ai dit aussi, mais c'était pour rire, hein, sur Twitter et aux arbitres, que aucun joueur ne s'était jamais blessé sur des bouts de papier qui avaient été, des confettis qui avaient été jetés sur une pelouse, alors que quand elle est gelée et que l'arbitre fait jouer quand même, là, par contre, pour l'intégrité des joueurs, c'est très dangereux. Et donc voilà, donc non, je pense, un, le cours de bourse est un bon cours de bourse. C'est une belle opération. Si on n'avait pas fait la bourse, je pense qu'on n'aurait pas pu faire le plus beau stade et le plus connecté du monde à l'heure actuelle. Et puis deuxièmement, pour le spectateur individuel, il en a plus pour moins cher. Ai-je bien répondu ? Je vais laisser à quelques autres. Bonjour Président. Alors, je vais tout d'abord dresser le constat du championnat de France qui est en son sein très faible en ce moment, mais aussi au niveau européen. Premièrement, à cause de la puissance financière de la Première Ligue, donc grâce aux droits TV, ils achètent pas mal de nos joueurs dès qu'ils commencent à être bons.
En France, on a juste le PSG qui arrive à garder ses joueurs et à attirer les joueurs étrangers. Avec l'Olympique Lyonnais, avec son nouveau projet qui est ambitieux, sur des bases solides, avec son stade, avec la formation, comment on va réussir à mener ce projet pour arriver au haut niveau européen, alors que dès que les joueurs commencent à être bons, ils commencent à vouloir partir, que ce soit Grenier il y a quelques temps, Fekir, Lacazette, dès qu'ils commencent à être bons... Les trois que vous avez cités sont toujours à l'Olympique Lyonnais. Oui, ils sont toujours, parce que Fekir s'est blessé, parce que Grenier s'est blessé, parce que Lacazette a eu un coup de mou, parce qu'il n'y avait plus Fekir. Donc on pourrait monter, mais comment garder ces joueurs-là, en sachant que dès qu'ils commencent à être bons, on le sent dans leur discours, bon, ils le disent plus ou moins explicitement, selon leur degré d'intelligence, on le ressent plus ou moins. Mais donc on aimerait bien les garder, moi je suis supporter de Lyon, mais comment on va faire pour garder ces joueurs alors qu'à chaque fois, dès qu'ils commencent à être bons, ils commencent à vouloir partir. Donc comment vraiment mener ce projet à bien avec ces nouveaux joueurs? Non, vous avez raison, c'est l'histoire de la spirale vertueuse. C'est-à-dire que quand vous démarrez, vous avez l'impression que vous n'y arriverez jamais. Mais si j'avais eu cette vision, je n'aurais pas construit le stade, je n'aurais pas mis 450 millions dans un stade, je n'aurais pas mis 50 millions dans l'académie. Bon, je l'ai rappelé peut-être tout à l'heure, je ne me souviens plus. Mais on a aussi la première académie mixte de France, c'est-à-dire qu'on a d'un côté, comme dans les grandes écoles, une académie garçon et puis une académie fille qui permet de montrer que demain, de la même manière qu'on a su être champion d'Europe avec l'équipe féminine, j'espère qu'on va l'être encore cette année. On joue d'ailleurs la demi-finale dimanche prochain. Vous êtes cordialement invité au Grand Stade, puisque moi je fais jouer mon équipe féminine dans le Grand Stade, voilà, contre Paris d'ailleurs, en demi-finale de Coupe d'Europe. Donc voilà, donc il faut investir, créer une dynamique, et une fois que la spirale est en route, on va pouvoir non seulement garder des joueurs, mais en racheter. Seulement, quand vous êtes dans une situation économique où vous préférez investir 450 millions dans le stade qui va procurer les revenus récurrents de demain plutôt que d'investir dans les joueurs, notez que l'année dernière, on a acheté pour 40 millions de joueurs à l'intersaison. On n'a pas été très perspicace et ça n'a pas marché tout de suite. Donc voilà, ceci étant, après, il faut aussi regarder l'indice de performance. Est-ce que sur les 500 millions investis par le PSG, ça permet de gagner la Coupe d'Europe? Non. Est-ce que ça permet de jouer une demi-finale? Non. Lyon a joué 5 quarts de finale au cours des 10 dernières années et une demi-finale. Donc voilà, donc faut pas désespérer et il faut imaginer que ce à quoi on croit fortement va se perpétuer et réussir. Mais vous avez raison, il faut alimenter les ressources qui elles-mêmes permettront demain de garder. Bon, Grenier, je suis pas sûr parce qu'on va le placer sur la liste des transferts. Donc, pas pour gagner de l'argent, mais parce que voilà, ça correspond, je pense, pour lui à la capacité à retrouver une dynamique. En ce moment, il n'est pas trop bien. Nabil, l'année dernière, on avait des propositions qui était énorme et malheureusement il s'est blessé pour lui hein, surtout. Voilà, bon, Alexandre Lacazette, on lui a fait le plus gros contrat du championnat des joueurs français. Il est resté. Donc voilà, bon. Après, sur le premier match Paris Saint-Germain contre Lyon, sur les 18 joueurs de la feuille de match, Lyon avait 14 joueurs qui étaient issus du centre de formation. Paris n'en avait aucun, mais ce qui est plus grave, il n'y avait aucun Français. Donc je pense qu'à moyen terme, notre modèle, il est plus durable, comme on dit maintenant, et plus citoyen en tout cas, et il permettra, j'en suis convaincu, de rattraper le retard. Voilà. Juste une deuxième petite question, c'est-à-dire que votre business model, il repose sur le stade et sur la formation, mais pour que le stade soit rentable, il faut une équipe. Sinon, il ne sera pas rentable, ça ne servira à rien. Donc, est-ce que vous allez garder vos joueurs pour monter une équipe avec votre centre de formation? Ou par exemple, Lacazette, si vous avez une offre à 30 millions de West Ham, et ben, vous allez le vendre et donc prendre d'autres joueurs? Ouais, bon, déjà, à 30 millions, il ne partira pas. À 50, peut-être. Mais ceci étant, ça voudra dire que Nabil ne part pas, que Maxwell ne part pas, etc. C'est-à-dire que
L'important, ce n'est pas d'avoir un joueur et qu'on soit amené à le vendre, c'est d'en avoir 2, 3, 4 et avec l'utilisation des ressources, se permettre de pouvoir retrouver au moins l'équivalent ou éventuellement la complémentarité avec ce qu'on a. Et souvenez-vous que au moment où votre collègue là tout à l'heure disait que j'avais pas trop mal vendu Essien à Chelsea sur le bateau là, d'Abramovic, à l'époque on a été 7 fois champion par la suite. Donc c'est pas parce qu'on vend cher à un club russe, enfin anglais pardon, mais russe quand même, un joueur et qu'on le vend bien, qu'inéluctablement on est condamné. Je rappelle aussi que le seul Olympique Lyonnais est européen depuis 20 ans, on le sera encore cette année, je peux vous l'assurer, de suite. Et donc même en n'ayant pas été bon, en ayant vendu des joueurs, en ayant fait des bêtises comme tout le monde, on a réussi à toujours rester dans les meilleurs clubs français. Et ça va continuer. L'objectif, c'est même de retenir le meilleur dans les 5 ans. Voilà. Bonjour, monsieur Olas. En fait, je voulais vous demander, en tant qu'entrepreneur, quel conseil donner à des jeunes étudiants qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent entreprendre, et qu'est-ce qui a fait, en fait, ce que vous êtes aujourd'hui ? Bon, j'explique souvent que, bon, malheureusement, je suis beaucoup plus âgé que vous, mais ceci étant, à un moment donné, j'ai eu la chance de passer par, vous n'avez pas connu évidemment 68, mais vous avez lu des trucs, et j'avais un copain à l'époque qui s'appelait Cohn-Bendit, bon il a mal viré depuis, mais bon, bon j'étais délégué de l'UNEF, hein, donc voilà. Et donc, et à la Sorbonne, où j'étais, il était écrit « Il est interdit d'interdire ». C'est une thématique qui n'est pas si mal que ça. Voilà. Et si j'avais un conseil à vous donner, c'est d'y aller. C'est-à-dire que si vous sentez que vous avez une idée, bon, on est en pleine, je le disais tout à l'heure, ubérisation, on est en pleine disruption, c'est-à-dire que tous les modèles, quels qu'ils soient, sont en train de s'écrouler au profit de choses agiles, souples, quelquefois technologiquement différentes, mais pas toujours Uber. La technologie n'est pas pour grand-chose, c'est une notion de raccourcissement des circuits dans le service. Donc voilà, donc c'est le meilleur moment possible pour un jeune étudiant qui a envie de se lancer. J'ai d'ailleurs participé à un séminaire il y a quelques... où j'étais venu dans sur le département des jeunes entrepreneurs d'HEC, enfin qui font le... Et j'avais rencontré deux entrepreneurs qui se sont lancés. Ils m'ont demandé de devenir business angel de leur dossier. Je suis toujours actionnaire de leur boîte, qui est en train de réussir. Il y en a une qui va sortir en bourse, donc c'est un ancien d'ici. Voilà, et dans une activité qui est de la vente de pneus. Ils voulaient vendre des pneus par Internet en B2C. Et puis en fait, le modèle a réussi en B2B. La boîte, vous pouvez regarder sur Internet, s'appelle Pneuwiz. C'est un ancien donc d'ici. Ça marche remarquablement. Bon, voilà. Donc, il faut y aller. Et de toute façon, c'est plus facile d'y aller quand on n'a pas grand-chose à perdre que quand on a tout à perdre. Donc, si vous devez y aller, il faut y aller tout de suite, parce que c'est plus difficile d'y aller quand on a acquis un certain nombre, je dirais, de références, de choses et d'habitudes surtout. Parce que la plus grande difficulté pour un entrepreneur, c'est de se remettre en cause. Donc la deuxième chose, un, il faut y aller. Deux, y aller tout de suite. Et trois, ce qu'il faudra toujours garder, c'est l'humilité qui consiste à savoir que même si on a bien réussi, il faut se mettre dans l'idée. C'est pour ça que le foot est une école d'humilité fantastique. On peut perdre tous les matchs qui suivent. Hein. Le meilleur match, c'est celui qu'on va gagner demain, c'est pas celui qu'on a gagné hier. Voilà. Et dans l'entreprise, il faut tous les matins se remettre en cause. Donc voilà, donc faut savoir se remettre en cause et y aller très vite. Bonsoir monsieur Olas. Alors j'ai une bonsoir. Dernière question plus football. C'est comment votre prénom ? Alban. Donc c'est une question sur l'un de vos anciens protégés. Pour ou contre la décision de Noël Le Graët d'exclure Karim Benzema de l'équipe de France ? On avait dit qu'il n'y a pas de question politique. Bon, c'est un sujet que je connais dans le détail parce que Karim a été élevé à Lyon.
le sujet qu'il a indirectement opposé à Mathieu Valbuena, qui est aussi un de mes joueurs, bon, vous le connaissez tous. Voilà, c'est très dur parce que Karim est un exemple pour toutes les communautés. Il a su sortir, je dirais, d'une situation qui était très difficile pour sa famille, pour lui, pour devenir quelqu'un qui est observé, idolâtré et qui a très bien réussi. C'est un des meilleurs footballeurs de notre époque. Voilà, mais il a fait des bêtises. Donc je sais pas quoi dire. Affectivement, je suis évidemment très attristé. Sur le plan de la légitimité, je dirais qu'à partir du moment où Noël Le Graët, qui est président de la fédération, et Didier Deschamps, qui est le sélectionneur, d'un commun accord, ont décidé de ne pas le prendre, c'est qu'ils considèrent qu'ils ont plus de chances de faire mieux sans lui, quelles que soient les raisons, qu'avec lui. Et j'ai tendance à leur faire confiance, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup Jean-Michel Aulas d'être venu avec cette actualité. Alors, je vais vous dire une chose, c'est que j'ai pas fait d'effort pour revenir d'Amsterdam et de repartir sur Paris. Voilà, bon, je sais que je vous ai fait défaut la semaine dernière, le jour du match, le lendemain du match à Manchester Paris Saint-Germain, parce que j'ai été malade. Je suis jamais malade, bon, parce qu'il faut aussi, quand on veut être entrepreneur, faut pas tomber malade. Intoxication alimentaire. Et j'en étais malheureux parce que pour moi, c'est plus qu'un plaisir d'être en contact avec des jeunes élites. Hein, allons-y, parce que si vous êtes là, c'est que vous l'avez mérité. Et on apprend toujours de la jeunesse. Et la plus grande difficulté pour un entrepreneur, c'est de s'habituer à faire confiance aux plus anciens. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un handicap. Il faut absolument donner sa chance à tous les jeunes, même sans expérience. Et c'est ce que je fais dans mes entreprises. Bon, sur l'Olympique Lyonnais, on n'a pas parlé, mais pour construire le stade en 24 mois, 2500 personnes qui ont travaillé en même temps, donc création d'emplois. Et aujourd'hui, pour faire fonctionner le soir de Rihanna ou le soir de Lyon-Monaco, là, dans 15 jours, c'est aussi 2500 personnes qui font fonctionner le stade. Donc, voilà. Et ma plus grande satisfaction, c'est que sur les 2500 à l'OL, c'est que des jeunes, par définition. Et ça donne une pêche du matin au soir qui est fantastique. Et c'est pour ça que j'avais besoin de venir vous voir. En tout cas, je suis très heureux. Merci. Merci beaucoup.